Eh bien, coucou les Unverse Watchers, c'est Kevin Unverse, confident de la burne, qui vous présente une petite vidéo d'après Let's Play. Alors oui, le Let's Play est fini au moment où j'enregistre cette vidéo, mais je dois vous parler du bestiaire, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver tous les monstres. Donc, cette vidéo comportera donc le bestiaire complet, ainsi que... en bonus, les images du jeu, pourquoi pas? Alors oui, étant donné qu'on est toujours sur du FF1 Pixel Remaster, la dédicace pour Azem est toujours d'actualité. Alors voilà, au début, ben, vous avez la map avec chacune des localisations de monstres. Alors je vous montre à chaque fois les petits points, comme ça vous pouvez voir où vous pouvez choper les différents monstres. Alors ça, c'est la première fonctionnalité, hein. On passe directement dessus, comme ça vous voyez les petits points jaunes où se situe chacun des monstres. Et après, je vais vous montrer la tête qu'ils ont, plus la map que j'appelle map améliorée, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, chacun des monstres que nous aurons vus dans ce let's play, voilà leur localisation exacte sur la map. Alors, il y en a bien sûr, c'est des boss, donc n'hésitez pas à regarder directement l'endroit où ils sont avant de vous lancer dans une aventure. Alors, Final Fantasy 1, je vous l'ai dit, il n'y a quasiment pas d'endroits qui disparaissent, parce que ça peut arriver dans les FF qu'il y ait des endroits qui disparaissent, comme je vous l'ai déjà cité dans le Let's Play. Le cuirassé de Final Fantasy 2 qui lui va exploser vu que c'est le but de le détruire. Donc voilà, vous faites attention. Alors j'espère qu'on n'entend pas les gens dehors. Donc voilà, faites attention de bien récupérer les monstres dans chaque zone. Même s'il y a des zones où vous allez retrouver plusieurs fois les monstres. Mais voilà, faites quand même attention, surtout pour les coffres, parce que dans les Pixel Remaster, vous avez des trophées pour les coffres. Alors voilà, on arrive à la fin de la liste. Alors c'est vraiment une toute petite vidéo, il n'y aura pas de combat, pas d'histoire et tout ça, vu que nous avons terminé notre let's play. Alors voilà, ceux-là, c'est en général sur le même point, vu que ça se trouve dans la partie du Temple de l'eau. Donc voilà, quand vous voyez qu'il y a un point, par exemple, là, vous voyez que ça reste sur la tour Mirage. Eh bien, vous le retrouvez dans le temple du chaos et dans la tour Mirage. Oui, parce que le point au milieu, c'est le temple du chaos. Voilà, Ryokimaira, c'est le temple du chaos. Voilà, et tout ça, vous les retrouvez. D'ailleurs, je pensais qu'il y avait des golems d'or, mais non. Alors, voilà, donc ça, c'est la totalité des endroits où vous pouvez trouver les monstres. Alors, ensuite, bien entendu, je vous explique la map monde, parce que c'est vrai que c'est très pratique ce petit système. Je vous l'ai déjà montré en live, mais comme ça, vous avez une petite vidéo explicative. Alors voilà, vous avez l'entièreté de la map monde avec déplacement rapide si vous voulez, et vous allez avoir des points d'interrogation. Alors, étant donné que la map ici est complète, je vous mettrai une image des points d'interrogation via un screenshot de Final Fantasy 2 ou Final Fantasy 3. Voilà, en fait, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Les maps sont similaires à chaque fois. Dans les Pixel Remaster, vous avez toujours une map comme ça. Voilà, donc sur la map, ben, vous allez voir qu'il y a plusieurs monstres qui apparaissent. Et par exemple, vous allez tomber sur des zones comme ça, avec une espèce de petite flèche jaune et un point d'exclamation, vous cliquez dessus et vous allez avoir un genre entre guillemets d'album de stickers de monstres. Voilà, et quand vous cliquez dessus, ben voilà, vous allez avoir le monstre qui s'affiche et vous pouvez même simuler un combat. Regardez, vous pouvez vraiment engager un combat contre. Alors là, vu le niveau, ça devrait être réglé en un coup. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment pour vous entraîner à affronter les monstres en question. Il n'y a pas de victoire, pas de guilds ni rien. Voilà, c'est. Voilà, c'est vraiment juste un petit entraînement contre les monstres en question. Alors, vous avez ça pour tous les donjons dans lesquels vous pouvez rentrer. Par exemple, où est-ce qu'elle est? Elle est juste en dessous. Voilà, ici, par exemple, les galeries du marais. Eh bien. Alors, vous n'avez pas la map, mais vous avez toute la liste des monstres présents dans la map.
Alors évidemment, s'il y a des monstres qui sont présents à deux endroits différents, ils vont s'afficher aux deux endroits différents. Par exemple, la Veuve Noire, vous savez qu'elle est également au Temple du Chaos. Alors attendez, Elfia, donc c'est vers le dessus. Hop, le Temple du Chaos qui se trouve là. Eh bien, vous voyez, bah déjà ici, elle apparaîtra sur la map et dans le Temple du Chaos, qui c'est qu'on retrouve? La Veuve Noire. Voilà, et donc vous allez retrouver toutes les bestioles possibles et inimaginables. Voilà, par exemple, les démons. Parce que je me demandais, mais tiens, bizarre, il reste des monstres du bestiaire. Et c'est vrai qu'il restait les démons, en fait. Et j'avais complètement zappé. Alors, Golem de fer, que ça, nous n'avons pas vu. Mais voilà, c'est pour ça que cette vidéo vous permettra de voir les monstres qu'il reste à zigouiller. Et de savoir leur localisation exacte, vous voyez. Alors, bien évidemment, ils ont un décor à l'arrière, vous voyez. Ils ont toujours un décor à l'arrière. Donc, regardez bien le décor pour voir où vous pouvez les trouver facilement. Par exemple, si on reprend le mont Gulg. Allez, où est-ce qu'il est, lui? Il faut descendre par là et c'est ici à côté. Voilà. Par exemple, le mont Gulg. Voilà, vous voyez qu'il a sa liste aussi. La caverne de glace qui se trouve ici, ben voilà, elle a sa liste aussi. Voilà, alors ce que je vous conseille, c'est quand vous jouez à un Pixel Remaster et que vous voulez compléter le bestiaire, ben vous faites la grotte, vous sortez, vous sauvegardez, vous revenez sur le menu principal et vous utilisez cette map. Comment vous débloquez cette map? Ben ça, c'est automatique. Vous allez dans le menu, encore une fois, vous allez sur bestiaire, donc de l'onglet extra, et vous appuyez juste sur triangle. Voilà, et vous avez la map générale. Alors donc maintenant, je vais vous montrer l'entièreté du bestiaire bah, avec les monstres. Alors, je vous montre pas vraiment les guilds, le butin et tout ça. Ça, c'est pas vraiment important, mais voilà, là, vous allez avoir toutes les bestioles. Donc, je vous dis encore une fois, regardez bien sûr les décors à l'arrière, là par exemple, vous voyez que c'est le temple du chaos, là c'est une prairie, là c'est les galeries du marais, temple du chaos aussi. Vous voyez, regardez bien l'arrière-plan. Alors, bien sûr, il y a des monstres qui peuvent apparaître dans des. Par exemple, là, vous voyez, lui, il est dans la map monde, la caverne Terra, les grottes du géant et les monts Gulg. Voilà, ils apparaissent un peu partout, mais regardez les endroits où vous pouvez les trouver plus facilement. Voilà, comme ça, tous les monstres qu'on n'aura pas vus dans le bestiaire, enfin, dans le let's play, vous avez une chance de les voir ici. Alors, pourquoi je n'ai pas passé mon temps à faire le 100% du bestiaire en vidéo? Bah, vidéo let's play, hein, je précise. Bah, parce que déjà de 1, c'est le but de faire une vidéo séparée où vous pouvez voir tous les monstres, tout le bestiaire. Et en plus, je ne vais pas vous le cacher que c'est long, on aurait perdu du temps pour le let's play. Donc je fais ça séparément, vous voyez. Je fais d'abord le let's play, le bestiaire entier sur une vidéo, enfin sur plusieurs vidéos. Et ensuite. Non, je me suis gouré, je fais d'abord le bestiaire sur une vidéo séparément après l'avoir fait à 100%, et puis je fais le let's play. Désolé, c'est la chaleur, il fait vraiment étouffant. En plus, je dis ça pile au moment où nous sommes sur le truc du Mont Gulg. C'est. Non, franchement, je sais pas ce qu'elle fout la chaleur, mais c'est horrible. Voilà, et regardez bien en fait les PV des différents démons. Vous allez voir que quand on sera vers la partie Temple du Chaos, eh bien les démons vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants. Mais je trouve qu'on les a bien gérés. Et franchement, c'était un bon petit let's play pour la chaîne d'Azem, voilà. Et donc là, bah, on le conclut de manière plus calme, de manière plus relax. Alors lui, je pense que vous ne l'avez pas vu dans le let's play, mais lui, je sais plus. Voilà, le roi momie qu'on n'avait pas vu dans la citadelle de l'épreuve, mais qu'on l'avait vu plus loin dans la tour Mirage, oui, voilà, justement. La caverne de la cascade, je sais aussi. Ça, je me souviens. Alors, je pense c'est dans FF2. Je pense qu'il y a des golems d'or aussi. Ils aiment bien les golems dans les RPG.
Voilà, mais dites-vous bien franchement que c'était une magnifique aventure que je vous ai présentée là. J'ai vraiment adoré la faire pour la chaîne de mon frérot Azem, de celle d'Arsène aussi. Parce que les joueurs fantômes, bah, c'est Arsène. Donc voilà, mon voleur qui est devenu ninja, bah, c'est un pote aussi. Mato, c'est la sœur d'Azem, donc c'est normal bah, qu'elle ferait partie des personnages. Et évidemment, Jula, un de nos potes sur... Allez, sur la FF Watchers, et donc bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ah ouais, les sentinelles, ça c'est vrai qu'on n'en avait pas vu, mais voilà, vous voyez, c'est pas des boss, c'est vraiment des mobs, et en fait, ils sont assez rares. Alors, quand je dis assez rares, c'est vrai qu'il y a des monstres, j'ai cru comprendre qu'ils avaient un taux d'apparition assez faible. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait le 100% des monstres en live. Enfin, en vidéo, vous m'avez compris. Honnêtement, ça aurait été trop long, vraiment trop long. Et comme vous pouvez le constater, ben, Chaos, comme je vous l'avais dit dans le let's play, il y a des points d'interrogation partout. Alors, emplacement, moi j'aurais mis Temple du Chaos, mais c'est vrai que... C'est vrai que quand on regarde bien, il n'est pas vraiment dans le Temple du Chaos. Attendez, je fais une ellipse parce qu'il y a encore des cons qui mettent leur musique à fond, j'arrive. Voilà, alors pour petite info, pour la vidéo d'intro d'Azem, je me suis servi du lecteur de musique. Comme vous pouvez le voir, le petit personnage, en fait, c'est de là que ça vient, regardez. Et d'ailleurs, c'est cette musique-là dont je me suis servi. En fait, j'ai trouvé un moyen pour mettre le petit personnage au milieu et dans un coin de l'écran. Et donc, ben voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma petite intro. J'ai réussi à mettre la musique en arrière-plan de mon clip à moi. Alors ben maintenant, en dernier bonus, je vais vous mettre donc la galerie du jeu. Voilà, il y a une bonne pelotée d'images, 59 images. Voilà. Alors vous pouvez faire avec ou sans fenêtre. C'est pour ça, si vous voulez faire une miniature, ce genre de truc est très pratique. Voilà, ça c'est pour les versions japonaises. By Her Majesty's Side. Avec le... Enfin, du côté de notre Altesse. Voilà, la forteresse volante, ben, en gros, ça ressemble à ça. Battling the Dragons. Voilà, alors faut vous dire que les hauts tubes, ils ressemblent à ça. Nous, on les voit tout petits sur l'écran, mais voilà, le Kraken aussi, il ressemble à ça. D'ailleurs, c'est pas pour dire, mais ça fait très japonais, cette image. Il n'y avait pas vraiment de behemoth dans le jeu aussi. Mais ça, c'est des images. Foire, le trône de Chaos. Chaos que vous retrouverez dans Dissidia et Dissidia Duodécime aussi, au passage. Guerrier de la lumière, d'ailleurs, qui ne porte pas le. Allez, la tenue qu'on voit dans le truc de base. Vous voyez, quand on voit le guerrier, le voleur et tout ça, ils n'ont pas vraiment la même... C'est avec les os qui volent, ça me tue. Voilà, mais comme ça, vous voyez à peu près la totalité du jeu. Vous avez eu le scénario avec les coffres, le bestiaire complet, et bien évidemment les petites images supplémentaires, parce que c'est sympathique aussi à regarder. Ah, les Rakshasa, ils sont bien faits en dessin, c'est incroyable. Les dessins sont vraiment magnifiques. Ah, les green slime. Qui m'ont toujours fait penser à des champignons, ces trucs. Voilà. Et là, ben, honnêtement, il va. Une momie qui sort d'un. On dirait qu'elle sort d'un coffre, ça me fait rire. Là, ben, maintenant que. On aura quasiment tout fini. Putain, c'est un alien, pas un tyrannosaure. Maintenant qu'on aura quasiment tout fini, eh bien, nous pourrons dès lors nous concentrer sur. Bah, Final Fantasy 2 Pixel Remaster. Mais d'abord, je le finis de mon côté. Comme ça, bah, je complète le bestiaire à 100%. Et évidemment, mes chers amis, ça fera évidemment le sujet d'une vidéo d'après Let's Play. C'est Astos? Non, ouais, enfin, c'est un elfe noir, mais c'est pareil.
Voilà, et là vous avez la liche Marilis. D'ailleurs, là ils mettent Marilis et dans le let's play ils mettent Maliris. Donc j'avais raison, c'était bien Marilis. Tiamat qui est magnifique, hein, vraiment incroyable Tiamat. Et Chaos. Voilà! Et donc, bah, vous avez eu l'entièreté du bestiaire. Alors, bah, écoutez, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, cliquer sur la cloche pour les notifs de mes lives, de mes vidéos. N'hésitez pas, bien entendu, à aller voir la chaîne Final Fantasy Watchers de mon frérot Azem, ainsi que le Memento et les joueurs fantômes. À la fin des vidéos Final Fantasy, un pixel remaster, je mettrai une publication générale pour leur faire une dernière petite dédicace. Alors Final Fantasy 2 Pixel Remaster ne sera pas dédicacé parce que là, je ne changerai pas les noms des personnages. Ça restera Firion, Maria et Guy pour les trois premiers persos. Et les autres, ben, ils changeront. Vous verrez, c'est un excellent jeu. Mais en attendant, ben, comme le dirait Azem, je vous fais des bisous, salut salut, et comme moi je vous le dis, ciao ciao tout le monde, et à bientôt pour Final Fantasy 2 Pixel Remaster. Bye!